Alors aujourd'hui, Laurent, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer du pain perdu avec une petite tranche d'ananas badigeonnée de miel. Ça va vous faire un bon petit dessert que vous préparez en quelques minutes. Alors pour du pain perdu, on bat les œufs en omelette. Donc là, pour 8 personnes, on a mis 4 œufs. Du pain brioché qu'on va tremper dans les œufs pour ensuite faire le marquage au barbecue. Et des tranches d'ananas en rondelles avec un peu de miel. Et on va badigeonner notre ananas avec le miel. Alors là, on fait tremper le pain dans les œufs. Bon, c'est assez simple. Bon, nous, on fait ça avec du pain brioché. Bon, je trouve que c'est un peu plus moelleux, plus sympa pour un dessert. Vous pouvez faire ça avec du vrai pain à l'ancienne. Ça s'appelle. Hein. Alors sachez qu'aujourd'hui il fait moins 10 degrés. 4h du matin. Là Laurent, miel sur les ananas. Voilà. Donc là, vous badigeonnez vos tranches d'ananas. Alors sachez que le miel et l'ananas, une association parfaite pour un dessert sympa et léger. Léger. Je t'aiderais bien, hein. Tu m'aiderais bien. Mais je peux pas. Donc là, on a mis le pain perdu sur les grilles du barbecue. 230 degrés, 3-4 minutes par face, l'histoire de bien marquer les tranches de pain. On y va? Allez, on va goûter ça. C'est bon. Une tuerie. Ah ouais. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Très très bon, on y retourne. Un délice.